told me I'm your anchor. I told you you're my bow. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. You said just keep moving. T'es prêt, Mika? Ouais, je suis confiant. Hein? Je suis confiant. T'es confiant? Ouais. T'as pas l'air trop rassuré quand même. Ouais, je stresse un peu. Je suis à 50-50. Ouais, je suis confiant, il fera pas ça. Ah ouais? Il fera pas quoi? Tout nu, en slip. Ça va marcher, la chérie? Allez, on attend tout le monde et on visionne. Ouais. Bon, et donc, comme vous l'aurez compris, le prochain, ce sera le Gaulois. Donc, son défi, ça va être s'habiller en Astérix, forcément, et d'aller dans une pharmacie, demander une boîte de préservatifs spécial petite taille. C'est sur l'humour, hein, donc... You said just keep holding on. If you're about to break, oh, I'll always be your captain. From our failures we have grown. Salut à tous. Pourquoi tu parles en même temps que moi? Salut, voilà, on est rentré du week-end, on est rentré de chez Gaulois. Ouais. On a passé une bonne nuit. Hein. Là, ça fait du bien de rentrer chez soi et d'être au calme. Ah ouais, c'est vrai. On va devenir des vieux. Il y avait beaucoup de monde, ça fait du bien d'être au calme. Et on a passé une bonne nuit, je me suis levé super tard. Et là, on se remet tout doucement dans les travaux, Au travail. Voilà, demain, Charlotte emmène le petit chien, ma mère... À la clinique vétérinaire. Ils vont lui opérer toutes ses petites phalanges. Ouais. Et normalement, ils vont lui mettre une plaque et normalement, il devrait s'en sortir nickel. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, voilà, donc par contre, 1500 euros, et il a 10 ans et il est encore costaud, il est bien et tout, c'est nickel. C'est un Jack Russell. On vous le fera voir plus tard. Et voilà quoi, donc du coup, on a ça qui est organisé pour les prochains jours et je vais vous faire voir ce qu'on va attaquer nous au niveau du bus. Donc toi, tu reprends le bus et moi, je reprends mes commandes au taquet. Ça marche, allez. Allez, ciao, à plus tard. Alors voilà, je vais vous faire voir déjà nous ce qu'on va faire. Jeff travaille ici, moi je travaille de l'autre côté. Et là, il est en train de refaire les escaliers, c'est ça? Absolument. Et donc on aura le même nombre de marches, mais elles seront un petit peu plus hautes. Parce que si on faisait des marches, si on rajoutait, on voulait rajouter une marche pour qu'elle soit moins haute, mais au final ça nous renvoie, vous voyez, ça nous renvoie ici. Et c'était pas terrible. Donc on va avoir des marches en hauteur qui vont faire combien, Jeff? 29 cm. 29 cm en hauteur. En hauteur de contre-marche, 29, et de marche, 23. Voilà. 23 cm de large. 23 cm où on pose le pied. Voilà. Et 29 de haut. Ok, donc voilà. Franchement c'est cool. Et moi j'avance de l'autre côté parce que on peut pas être à deux là-dessus, ça sert à rien. Et puis Jeff il travaille, c'est comme moi, il aime bien bosser tout seul aussi. Hein? Ouais, elle faisait 24 de haut. D'origine, elle faisait 24 de haut. Ouais. Voilà, on rehausse de 5 cm. Ouais, ça va, ça fera les jambes. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, ça devrait aller. Ok. Jean-Philippe est sur la route avec la cuve normalement. D'accord. Moi je vais aller isoler. Ouais. Refaire un genre de petit plancher pour que la cuve elle pose pas que sur l'isolant quoi. D'accord. Et puis la cuve quand elle va arriver faudra les bavurer un peu parce qu'il y a encore pas mal de petites bavures à droite à gauche. Donc moi je vais faire ça tranquillement de l'autre côté aussi, on va tout préparer. Voilà. La préparer avant de la poser. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop, voilà. Alors donc du coup, j'en profite tant que j'ai pas ma cuve d'eau pour passer mes deux câbles qui restent. C'est les câbles qui vont aller au compteur. Et qui vont me servir à alimenter la soute, les soutes, enfin oui, alimenter tout le bas
Donc c'est-à-dire, je vais mettre une prise ici pour alimenter la pompe, et puis si j'ai autre chose à alimenter. Et puis je vais mettre encore 4-5 prises partout pour avoir du jus quand j'ai envie de me brancher dans mes soutes. Voilà, c'est bien plus pratique. Donc je peux passer encore deux câbles. Ensuite, il y aura des boîtes de dérive avec les prises à droite à gauche, mais pour l'instant, je les passe, comme ça, après, je serai tranquille. Jeff, tu peux tirer quand tu veux. C'est parti, mon kiki. Hop, 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 doucement, doucement, on s'énerve pas trop. Voilà, vas-y, vas-y. On va avoir un virage à passer, normalement. Ça, il va bien pour l'instant, nickel. J'espère que j'aurai assez pour faire des allers-retours. Ce serait bien. Là, quand je vois ce qu'il me... C'est bon ? Ouais. T'as sorti combien, là ? Hein ? T'es sorti de beaucoup ? Ben, de quoi brancher sur un coupe-circuit. Sur un coupe-circuit ? Oui. Sur un disjoncteur, tu veux dire ? Oui, ça s'appelle un coupe-circuit. D'accord, ok. J'espère que là, j'aurai assez pour faire le deuxième. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de mettre mon stérodur ici. Et ensuite, je vais venir mettre un contreplaqué jusque là. Je vais en mettre un aussi ici. Celui-là, il sera amovible pour que je puisse enlever si bien mon isolant et mon contreplaqué pour pouvoir accéder au coffret batterie. Voilà, donc j'en mets un sur le côté. J'en mets un ici. Je vais en mettre un aussi sur le côté. Et par là, je vais m'arrêter ici parce que j'ai besoin d'avoir un accès. J'ai mon calculateur de suspension avec mes disjoncteurs et mes relais. Donc ici, il faut que je le laisse assez accessible. Et de toute façon, quand j'ai la porte qui se ferme, j'ai les barres là qui vont venir taper dans l'isolant. Donc je laisse comme ça. Et je ne sais même pas si je vais en mettre sur les côtés. En fait, vu que les soutes, elles seront chauffées et qu'elles vont être isolées par là, elles vont être isolées de l'autre côté. Je ne sais pas si ici, je vais mettre de l'isolant sur tous les côtés. Ça gênera peut-être la bonne circulation de l'air, en fait, de l'air chaud. Au bout, c'est sûr que je vais en mettre. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là-bas, ça va, j'ai pas trop de soucis pour mettre l'isolant. Voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas facile de bricoler. On est tout mou, et même Jeff, il est tout mou. Je vais aller vous faire voir ça. On est vraiment... on est lent. Je sais pas pourquoi on est lent comme ça. Hein, Jeff, tu sais, toi ? Non, je sais pas. Ça fait deux fois qu'il fait des trous et qu'il casse les vis dedans. Donc voilà, il est en train d'essayer, parce qu'on dit bien essayer, il est en train d'essayer de faire des trous. Et à chaque fois, il pète sa vis dedans. Ouais ! Il perd ses trous, ouais ! Ouais, attends, la vis, elle n'est pas encore mise. Et on a acheté des vis à Brico au marché. Non, tiens. Des vis... Tiens. Des vis, vous savez, qu'on met dans les chassés. Dans les... Pff, je vais y arriver. Vous savez, les mis... Oh là là, les vières, on est fatigués, nous. Les vis qu'on met dans les sachets, eh ben c'est de la merde. Ça pète, c'est nul. Ça vaut pas de la bonne vis roquette, hein, moi je vous le dis. Oui, je sais, c'est pas des vis à ferraille, on vise dans de l'aluminium, ça va, c'est mou normalement l'alu. Et là, ça tient pas. Donc c'est de la merde. Voilà. Donc vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, Jeff, il a vraiment, vraiment bien avancé. En fait, il a mis une planche, c'est voilà, tout. Moi, j'ai coupé 4 morceaux de stérodure. D'accord. On est en mode... Hein, on flotte un peu, t'as vu ? Ouais. Non mais sérieusement, c'est vrai, on flotte. On n'est pas trop concentré. On a dit vas-y, du coup on fait ça tranquillement. Hein ? Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est le retour de fête, non ? Ouais, peut-être, ouais. Demain ça ira mieux. Ou l'ambiance du Gaulois. Ouais, on est vraiment... on n'est pas dedans. Non. On n'est pas dedans aujourd'hui. Hein. Ou alors on s'est trop donné et maintenant... On a un contre-coup, du coup on est tout mou. Voilà, le contre-coup. On est tout mou. Non, peut-être la route aussi. La route qui nous a cassé ouais, un peu. Ça nous a cassé, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on s'est tapé 10 heures de route en 3 jours. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, tu crois ? Ouais, ça tue ça. Puis moi, je suis pas habitué à rouler autant. Moi nous, on plus. Roule quand on avait le bus, on roule pépère, quoi. Ouais. On roule une heure, on est fatigué, on s'arrête, on dort. C'est ça. Là, on a roulé un peu plus vite, roulé, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Il a bien roulé le camping-car essence, la GTL. Oui, ça bicarburation, vous avez vu son pâte de velours ? Il va bien, ouais. Il a vraiment bien fonctionné, moi, je suis étonné. Et t'as fait quoi en consommation du coup ? Parce que j'avais dit 18 litres moi dans la précédente vidéo, mais là t'as fait un peu moins, non ? Non, pareil. Pareil, 18 litres ? Ouais, 17-18 litres. Hein, et c'est quand même plus avantageux que rouler en essence ? Vu qu'il consomme plus. Oui, oui. En essence, non, tu consommes combien ? Il a combien l'essence de litres ? Bon, il a un 50 et quelques, ouais. Un 45. Il a 79 centimes le gaz. Ouais, mais vu que tu consommes moins à l'essence. Ouais, 15 litres.
Ouais, donc même avec ça, même avec l'écart, c'est quand même gagnant. 3 litres de différence. C'est quand même gagnant de rouler au GPL. Et du coup, si tu roules au gasoil, tu consommerais pas plus de 11 litres. Hein. Ah bah non, c'est 10, 11 litres, 12 maxi, ça c'est sûr sur ces véhicules-là. Et vu que le gasoil il coûte 1,40€, t'as déjà fait le calcul? Ça revient à peu près au même. Ça reviendrait pareil. Point de vue coût, ça revient au même. Ça revient au même. Là, t'as le confort de l'essence. Ah ouf, ouais. À part dans les montées, j'ai vu que t'en chies un petit peu. Dans les montées, ouais, il a du mal. Mais sinon, ça va. Mais ça va, hein, c'est t'en chier, mais pas tant que ça non plus. T'as pas la fumée, ça pollue pas, ça sent pas. Ah, et t'as le confort de l'essence. C'est ça. Ça peut être un bon plan, mais ça se fait plus maintenant les GPL, c'est fini de toute façon, sur les là, camions. Pas de problème pour démarrer l'hiver. Ouais, ouais. Et tu peux pas tourner à l'huile. Non, je peux pas tourner à l'huile. Ok. Ouais. Bon allez, on finit ça et on se retrouve après pour la fin. Aïe, putain! Ah, le convertisseur, lui, il a pas mal, mais j'arrête pas de me cogner dedans. Ah la vache! Après, je pourrais plus me cogner dedans parce que il y aura la cuve à eau. Mais là, pour l'instant, quand ça tape dedans, comment ça énerve! Oh bordel, putain, vas-y, je vais y arriver. Voilà la cuve! Nickel! C'est propre, hein. T'avais pas plus gros sinon? Non, tu sais ce que je vais prendre, mes disques avec mes clous que j'ai pris pour la mousse. Oui, ça va le faire. Ça va mordre. Ah, oui, ça va pas mordre. Et moi, je te suis avec le petit aspirateur qui est là. Non, mais... Non, je vais prendre un disque. J'ai un disque à bois sur la meuleuse, sinon. Sauf que... Après, celui-là, il ne dérange pas. Celui-là, il ne dérange pas. C'est uniquement celui-là. C'est quoi? Celui-là, pour le son. Tu vas avoir un problème, c'est... C'est du plastique, ça faut... Ben oui, c'est pour... Donc, faut vraiment pas tourner vite. Alors voilà, Jeff, il est venu admirer mon travail. Ouais, mais j'étais en train de dire qu'il y avait plus de trucs à filmer de l'autre côté que de ce côté. T'as mis une planche. J'en ai mis deux. Ouais, mais moi, allez, aujourd'hui. Oui. Non, mais entre les découpes que tu as fait et les miennes, il n'y a pas photo. Quoi. Elles sont droites, regarde. Elles tiennent toutes seules. Oui, c'est ça. On va décharger la cuve. Et puis, on va la glisser là-dedans. Mais avant, il faut que j'ai bavure les soudures qui ont été faites sur les côtés. Je ne sais pas avec quoi on va faire ça, d'ailleurs. Un truc qui ne chauffe pas. Cutter. Cutter. Je pense que c'est ce qui ramène. On va essayer. Comment on appelle un gars qui sert d'un cutter? Un cutterman. Un cutterman. Un cutter. Cutterman. On va voir ça. Allez, on vous laisse. À tout à l'heure. Parce que nous, on est vraiment en forme en ce moment. Alors, ah, à fond. À fond. Ça se voit, non? We'll be right back.
Bah ça marche super bien. Bah regarde, il est tout noir. Oh les bras. Bah regarde sa tête. Oh. Regarde son visage. Oh. Regarde ton visage. Non, j'ai dit regarde, ouais, regarde son... Ça marche trop bien, la ouais, ponceuse. Enlève tes lunettes, on va voir la différence, je pense. Mais là, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Ah oui, viens là que je t'embrasse. Non, non. Viens là que je t'embrasse. pourquoi je fais toujours des trucs de merde aussi? C'est gavant, ça. Oh, ton short Allez. Neuf. Hein? Oh, t'exagères. Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture? Ah, j'ai dû marcher dessus. Oh putain. Moi, quand je suis parti, je m'arrête pas. Et c'est du sale ou c'est. C'est du plastique. Il avait dit que ça pourrissait, c'est pour ça qu'il faisait pas. Et du coup, ça s'enlève bien ou. Soufflette. Ok. Hein, soufflette. C'est ainsi que cette vidéo se termine. Dans la poussière de plastique. À suivre dans la prochaine vidéo, on mettra la cuve en place, on fera l'isolation sur les côtés, on va la tester en eau aussi. J'ai bien mérité des petits pouces bleus. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous et à jeudi. Bye bye. Non, mon petit loulou, Andy, tu vas te faire opérer demain? Voilà le petit guerrier là qui s'est fait écraser par une voiture, il a de la chance. On espère que ça va bien se passer. On vous tiendra au jus de toute façon.